Et tout le monde, c'est Mika, j'ai dit Yogiman, comment vous allez? Bon. Je vous ai dit, j'ai retrouvé des cas Yu-Gi-Oh! Je faisais des arrangements de droite à gauche. J'ai retrouvé des cas Yu-Gi-Oh! Étonné. Je vais vous montrer un peu plus les autres têtes de ma collection. Les têtes de cas de ce côté-là sont un peu maganées. Je les avais avertis dans les vidéos de mon. Attention, je faisais pas trop attention avant. Oh, ça a plié et tout. Aïe aïe aïe. Bon, je suis là au moins. Allez. Ah, désolé les gens. Bon, c'est ma troisième carte d'épée de lumière révélatrice. Ça aussi, ils avaient d'autres cartes de héros élémentaires. Les Incas noir. Désolé. Oh. Désolé, une minute. Bon, désolé. Ah, j'ai un mal de tête depuis la nuit dernière. Ah, horrible. Je ferme l'œil de la nuit. Bon, désolé. Hop. Voilà, tu as des meilleurs trucs pour pouvoir mieux filmer mes cartes. Ce sera beaucoup mieux. Mieux aussi avec les ouvertures et tout. Il semble ce temps de ramasser l'argent pour ramasser les affaires et tout. Il y a les bonnes affaires. Et celle-là, elle est bien, vu je pense me faire un deck triamide. Ah, désolé. Ouf, je vais me mettre mal de tête. Ouf. Oh, et pour les. Cette dernière va retourner. Un monstre de pendule. Un monstre pot artiste. Un autre pot artiste. Et le flippipo pot artiste. Une magie pour le death Rhabdoraptor. Rend magie en plus. Parfait pour un death de Rhabdoraptor. J'ai envie d'avoir trouvé ces cartes là vu. Voilà un peu le doigt. De monstre Rhabdoraptor ou autre. Elle était ultra surprise d'avoir retrouvé. Un Rhabdoraptor ici là Z. Et ça, c'est pas mal, j'ai envie. Ils avaient oublié, ils avaient ce monstre. Ils ont rangé un peu droite à gauche. Bon, j'ai tombé sur ces quatre-là, Yu-Gi-Oh! Et là, je suis sûr que tu dois avoir d'autres quatre titanes dans d'autres places. Juste que je les trouve en temps voulu. Bon, on veut pas éterniser longtemps. Vous connaissez la routine. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez mes vidéos pour me faire connaître. Laissez un commentaire, un pouce bleu si mes collections de Yu-Gi-Oh vous plaît. Mes collections, on va le faire. Ma collection de cartes Yu-Gi-Oh vous plaît. Et aussi mes idées de deck. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.